Notre chapitre est sur l'habillage et le chapeau est une partie de l'habillage qui donne envie de lire à la lecture, au lecteur. Il peut préciser le sujet dans l'essentiel, dans le contexte de l'article et justifier la raison pour écrire l'article. Et c'est aussi un élément visuel. On peut écrire un chapeau informatif qui est plus sérieux ou un chapeau incitatif qui est utilisé dans des publications comme les magazines, c'est moins sérieux. Les intertitres sont les petits titres placés à l'intérieur de l'article, c'est comme un chapeau mais peu spécifique. Et il doit être simple, significatif, fidèle au lecteur et très court. Et on doit éviter les doublons et changer de place d'un inter qui est déjà rédigé. C'est tout.